Salut, aujourd'hui je voudrais te proposer une technique qui va simplifier à l'extrême l'atteinte de tes objectifs. Si aujourd'hui tu as vraiment du mal, si aujourd'hui tu as parfois envie de laisser tomber, ou si aujourd'hui tu te dis que tu stagnes et que tu n'y arriveras jamais, la technique que je vais te proposer, elle est pour toi. Tu vas voir, c'est une technique qui est extrêmement simple et je pense que à partir du moment où tu vas commencer à appliquer cette technique, tu risques de tout simplement pousser une sorte de ouf de soulagement parce que tu vas voir que ça va te permettre de te reconcentrer d'un coup sur l'essentiel. Alors, cette technique, c'est tout simplement la technique de l'objectif unique. Tu sais, quand je fais les séances de coaching avec les gens, ce qui se passe, c'est que très souvent, les gens, ils ont 3, 4, 5 objectifs. En général, ça tourne autour de ça. 3, 4, 5 objectifs et ils n'y arrivent pas sur ces objectifs. Et moi, j'ai une croyance, c'est que l'atteinte d'objectifs, ce n'est pas quelque chose qui est mystique, c'est vraiment quelque chose qui est logique. Atteindre ses objectifs, créer la vie qu'on veut, c'est quelque chose qui est logique. Mais plus on a d'objectifs, plus on va avoir tendance à se disperser et surtout, il y a quelque chose qui est très important, c'est notre propre croyance en nous-mêmes sur la capacité à atteindre nos objectifs. Et ça, ça se construit. Moi, je te donne mon exemple parce que cette technique de l'objectif unique, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, voilà, je te l'ai souvent raconté, en 2013, j'ai eu une année vraiment très difficile, j'avais un projet qui s'est arrêté, je savais plus ce que je voulais faire. Et puis en 2014, petit à petit, j'ai recommencé, j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai commencé à investir sur moi, j'ai commencé à faire différentes choses et puis à émerger ce projet de business en ligne. Et en août 2014, j'ai commencé à travailler tous les matins une demi-heure sur ce projet. Et ensuite, quelques semaines, quelques mois après, je pense que c'était vers octobre, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, et je m'en souviens vraiment encore de ce moment-là, je me posais beaucoup de questions encore, je me disais, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'aime vraiment ça? Voilà, il y avait beaucoup de questions qui tournaient dans ma tête. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Et au final, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, maintenant, je vais me concentrer uniquement sur cet objectif de réussir mon business en ligne, uniquement sur cet objectif, simplement sur cet objectif et je vais le faire. Voilà, je vais arrêter de me poser des questions, je vais le faire. Et c'est ce que je t'encourage à faire. Je t'encourage vraiment à faire ça, un objectif et le faire. Et tu te dis, ok, ça prend 6 mois, ça prend 12 mois, ça prend 18 mois, mais je vais mettre toute mon énergie, tout mon focus là-dessus. Et attention, ne pas faire l'erreur que font la plupart des gens, pas simplement se concentrer que sur l'objectif, mais aussi sur les compétences qui permettent d'atteindre l'objectif. Et moi, c'est ce qui m'a permis d'y arriver, c'est-à-dire me concentrer à la fois sur, ok, quelle est la stratégie que je mets en place en termes de business en ligne, mais aussi comment je fais pour tenir sur la durée, comment j'améliore ce que j'ai commencé à faire, de me lever le matin et de commencer à travailler sur mon objectif principal. Et c'est l'alliance de ces deux choses qui m'a permis d'y arriver. Donc, voilà le message que je veux te faire passer dans cette vidéo. Ok, si aujourd'hui, tu as du mal avec tes objectifs, ce que je te conseille de faire tout simplement, c'est de te dire, ok, je me fixe un seul objectif et cet objectif, je vais le réussir. Et après, tu passes dans une autre catégorie. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'un an plus tard, en novembre 2015, quand j'ai réussi mon objectif, que j'ai gagné plus de 1000 euros par mois avec mon business en ligne, je suis passé dans une autre catégorie dans le sens où, pour la première fois, mais vraiment, j'insiste là-dessus, pour la première fois dans ma vie, j'avais décidé de quelque chose, je m'étais fixé clairement l'objectif de ce que je voulais atteindre et je l'avais fait. Et ça, ça a été un changement majeur parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. La première fois que je décidais d'un objectif, je me fixais bien l'objectif et je le faisais. Et quand tu fais ça, tu passes dans une autre catégorie. Tu t'engages sur l'objectif en te disant très concrètement qu'est-ce que je veux atteindre. Deuxièmement, tu décides d'un bloc quotidien où tu travailles sur cet objectif, ça c'est essentiel. Tu construis sur ce bloc quotidien vraiment et tu continues jusqu'à temps d'y arriver. Comme je te le disais, le jour où tu as fait ça, tu auras cette conviction de te dire « Ok, je suis capable d'atteindre mes objectifs. » Alors, si tu veux commencer à faire ça maintenant, j'ai un programme de formation qui s'appelle la méthode des 90 minutes parfaites. Cette méthode, c'est exactement ce que j'ai fait en août 2014. Alors, j'ai commencé par 30 minutes, puis j'ai augmenté à 60 minutes, puis au final, je suis passé à 90 minutes. Et l'idée, c'est d'arriver petit à petit à un bloc chaque matin de 90 minutes où tu travailles sur ton objectif principal et tu as juste ça à faire. 90 minutes sur mon objectif principal tous les jours et c'est largement suffisant
pour atteindre tes objectifs et atteindre tes objectifs les plus ambitieux. Cette méthode des 90 minutes parfaites, elle est incluse dans le pack faire de chaque journée un petit succès. C'est le dernier jour si tu veux y accéder. C'est le dernier jour pour accéder à ce pack. Donc, tu peux voir le détail des trois formations auxquelles tu vas accéder dans ce pack dans le premier lien dans la description. Il est valable jusque ce soir. Ensuite, le pack disparaît. Le but de ce pack, c'est de te permettre de te construire un quotidien solide avec des fondations solides, une structure solide et que tu puisses poser une brique tous les jours, que tu puisses faire de chaque journée un petit succès. Et n'oublie pas, chaque journée qui s'additionne, chaque journée où tu fais un petit succès, chaque journée où tu avances vers ton objectif numéro 1, c'est la vie que tu vas avoir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans que tu es en train de créer. Donc, j'ai vraiment designé ce pack pour t'aider. C'est mes formations fondation, les formations que moi-même j'applique au quotidien. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite dans les formations. Passe à l'action, chaque jour compte.